C'est ce qu'on appelle un enlèvement. Non ? Ouais. Centrer un film sur moi, après tout, pourquoi pas ? C'est vrai que je suis une espèce de personnage public. Après, il y a des choses qui m'échappent complètement. Est-ce que je suis visuellement intéressant à filmer ? Ça, vraiment, je sais rien. On se voit pas soi-même, quoi. On peut pas dire. À partir du moment où il y a élection de représentants, pour moi, il n'y a plus démocratie. Là, je dois dire que je suis assez content de moi parce que je trouve que je m'exprime clairement sur la démocratie. Parce que je, en général, je me trouve pas toujours clair quand je parle. À mon avis, même la vraie vocation de l'Europe, c'est de rendre impossible toute démocratie et installer définitivement le gouvernement des experts. C'est une des raisons pour lesquelles je me regarde jamais après mes passages télé, quoi, parce que je sais que je vais m'être exprimé de manière pas claire, enfin, que ça va pas aller. Quoi. Au point où c'en est, je souhaite que ça finisse en insurrection. En quoi ? En insurrection. Et je trouve que Bruxelles serait un très bel endroit pour une guerre civile. Ça donne envie d'être acteur, oui, parce qu'on est quand même très bien traité. On est aux petits soins pour vous, c'est bien agréable. Vous voulez un film porno ? Non, par contre, une fille, je dirais pas non. C'est quand même vraiment un plus dans ma vie. Enfin, c'est un truc totalement inattendu qui m'arrive sur le tard. Et si en plus les gens trouvent que je suis bon, alors c'est totalement stupéfiant, mais bon, pourquoi pas. Hein. Après tout, il y a des choses surprenantes dans la vie. Là, c'en est une. Hein. Oh, pardon, désolé.